Bonsoir Eric. Quelle joie de me trouver ici à Capaguen avec toi. Écoute, ça me fait réellement plaisir également, merci. Pour recevoir cette troisième, les amis, troisième fourchette d'or pour la famille tchèque ici, troisième fourchette d'or en une dizaine d'années. C'est exceptionnel, ça n'a jamais arrivé. Donc je vous donne rendez-vous dans un petit instant. Dis-moi, ils ont grandi les fistons maintenant? Ils ont grandi, la relève, la relève. Puis j'ai vu qu'il y avait encore un petit bébé restaurant. Exactement, tout à fait. Il y a toujours aux Indes à Lille. Toujours la maison mère. Et puis ici, aux Indes Royales, ici à Capaguen. Tout à fait, exactement. Les amis, rendez-vous dans un instant pour la remise de la fourchette d'or avec nos amis la famille tchèque. Merci. Et il rajeunit. Comment vous faites? Il n'a pas changé depuis que je le connais, ça fait 10 ans, il n'a pas changé. C'est vrai? Les cheveux, tout pareil, mais regarde, c'est fini. Là. Ça va bien, ça fait plaisir de vous voir. Ça va et vous? Oui, je te remercie. Il y a bien là une photo, un truc, on la gravera sur le bord, on la gravera. Ça sera votre dis-moi. Est-ce que tu peux aller en quelques minutes me résumer un peu le parcours de cette belle famille dont tu es maintenant le fer de lance, sans oublier papa bien sûr qui sera distingué tout à l'heure également. Bien sûr Eric, alors écoute, ça va faire maintenant à peu près une trentaine d'années que je suis dans la restauration. J'ai commencé d'un petit restaurant d'une trentaine de places et aujourd'hui donc on a la maison aux Indes qui est basée, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le Vieux-Lille. On a aux Indes Express qui est à Valenciennes, on a celui-ci qui est à Capinghem, aux Indes Royales, le plus grand. Et on a également une chaîne qui s'appelle Jadi dans le monde du street food, mais très qualitatif. Et on est plus en plus demandé maintenant sur les salons. On a récemment fait la Food Street de Lille, grand succès. Là, on vient de faire le salon du tatouage. Ils ont vraiment, vraiment kiffé. Et là, on a encore un événement d'ici 2 mois à peu près. Voilà. Bah, bravo. Merci. Écoute, les tatouages, les joies, c'est gravé dans les mémoires. Ouais, c'est vrai. C'est déjà ça. C'est pas que sur la peau. En plus, maintenant, les tatoués vont venir manger ici dans ce beau restaurant. On en a déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup. Bon, bah, les tatoués, les autres sont les bienvenus d'ici, bien sûr, aux Indes Royales. C'est une famille extraordinaire, une famille de restaurateurs. Le papa, qui a bien sûr été le fondateur de tout ça, est d'un mérite exceptionnel et sera récompensé tout à l'heure exceptionnellement pour la deuxième fois de la médaille d'or du tourisme et de la gastronomie. Donc ça va être une très belle soirée avec nos amis qui nous accueillent et tout le personnel d'Aux Indes Royales. Merci Eric, merci. Gardez l'énergie, vous en aurez besoin pour la suite. Je me permets de me présenter, Éric Duluc, président de la Fédération Internationale du Tourisme, réélu dans mon 5e mandat. Fédération Internationale du Tourisme, elle a été créée en 1967 à la mère du général, c'était Charles de Gaulle, président de la République française, qui a demandé à Pierre Blotet, neveu du maréchal Blotet, qui était son conseiller à l'Élysée, de créer la Fédération Internationale du Tourisme. Et le prédécesseur, c'était Claude Durand de Fressinet, et avant... Monsieur Pierre Lyotet. Je suis très très fier ce soir d'être ici à Capaguen, belle ville du Nord, dans une belle circonscription, monsieur le député, dans une belle ville, monsieur le maire, et dans un très beau restaurant, chère famille tchèque. La fédération a l'habitude de remettre des distinctions de temps en temps. C'est une fédération professionnelle, bien sûr, où il y a des adhérents, 85 métiers répertoriés du tourisme, actuellement maintenant dans 88 pays, dernièrement adhérent le Cap-Vert,
Je reviens de Madagascar, où j'étais il y a quelques temps. Nous avons distingué aussi des très bons restaurateurs, le chef Lalaïla, qui est un des plus grands chefs de l'océan Indien, un des plus grands chefs, très estimé des pères, qui a reçu cette fameuse surchef d'or. Mais lui, mesdames, messieurs, ne l'a reçu qu'une fois. Ce qui est très exceptionnel dans l'histoire de la fédération, c'est que la famille Cheikh ce soir va recevoir dans ses trois restaurants, tout au moins la deuxième ici, plus l'autre aux Indes là-bas, à Lille, la troisième fourchette d'or. Et ça, ça s'applaudit parce que c'est la première fois, la plus célèbre histoire de la fourchette d'or, qu'un restaurant avec une famille reçoit la première fois la fourchette d'or. Et c'est mérité. Parce que vous savez, on ne remet pas une fourchette d'or comme cela par hasard. On travaille aussi avec des anonymes, des clients mystères qui viennent, qui payent leur addition, malgré qu'on connaît l'établissement. On a fait quand même revenir quelqu'un ici pour voir si c'était maintenu. La qualité, bien sûr, est là. La prestance est là. L'accueil est là. Le service est là. Le décor y est. Le dépaysement, la musique, tout est ingrédient pour recevoir cette fourchette d'or qui a été acceptée pour la troisième fois en commission d'admission. Sous couvert d'un image précis, on ne donne que l'endroit, et nous sommes tombés une fois encore aux Indes royales, puisqu'on laisse place aussi à la concurrence, ce qui est normal. Nos testeurs ici ont payé leur addition, ont fait le rapport. Nous en arrivons à quelques mois ensuite à organiser avec Lovin, toute son équipe, sa famille, une manifestation comme celle-ci, où je vois, mesdames et messieurs, que vous répondez nombreux et nombreuses. Ça veut dire que vous êtes des clients, non seulement assidus, pour certains d'entre vous, des amis aussi de la famille tchèque. Et le mérite. Parce que dans la famille Cheikh, on va faire le jeu de cette famille, il y a bien sûr les frères, les fils, mais il y a aussi un homme qui, il y a plus de 40 ans, a donné le virus à cette famille. On va venir l'applaudir, il va venir nous rejoindre, c'est Papa Cheikh qui est là, le papa. C'est lui, mesdames et messieurs, l'instigateur. Et cette grande famille de restaurateurs, c'est lui qui a donné le virus à ses fils qui eux-mêmes l'ont donné et ont passé le flambeau, mais pas encore. Disons qu'ils sont avec vous, à vous épauler. Il y en a en ce moment, on a une petite pensée au programme, ils travaillent aux Indes en ce moment. L'un d'eux travaille aux Indes, il surveille ce qui se passe là-bas pour le plus grand plaisir de ses clients. Mais au-delà de ça, on voit ici qu'au-delà de la restauration, au-delà du commerce, au-delà du business que représente la restauration, quel beau métier en plus. C'est ici avant tout une histoire de famille. C'est ici avant tout une histoire où la restauration a une âme. C'est aussi une histoire de goût. C'est aussi une histoire de tradition. On modernise en respectant la tradition. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, pour connaître des grands chefs dans le monde, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. La cuisine, le restaurant, vous êtes assis, c'est une pièce de théâtre qui se joue avec votre palais. C'est du direct. On ne triche pas avec le palais de l'être humain. Ça passe ou ça casse. Je vois ici, apparemment, vu le nombre de clients qu'il y a et le nombre d'amis, il semblerait que ça soit bien passé. Et que ça se passe toujours bien. Au-delà de ça, derniers exemples, je pense à Lalaïla, qui a le restaurant Le Marais à Madagascar, qui est un des plus grands restaurants de l'océan Indien. Je pense à la Porte d'Or à Monaco. Je pense à beaucoup d'autres restaurateurs qui ont reçu cette distinction prestigieuse. Et aujourd'hui, quelle fierté pour moi, pour la troisième fois, de revenir distinguer cette grande famille avec laquelle maintenant je suis presque devenu ami. Tellement j'ai vu les petits qui étaient 10 ans, je les ai vus adolescents, maintenant ce sont des jeunes adultes qui sont autour de vous et qui prennent le relais avec ce groupe dont tu nous parleras tout à l'heure davantage. Et je laisse maintenant la parole aux élus, et je remercie d'ailleurs les élus d'être ici ce soir, c'est pas si facile que ça. Monsieur le député Roger Nicot est ici, notre ami monsieur le maire, que tout le monde connaît de Capinghem, et, tout de même, et je vais d'abord passer la parole donc à monsieur le maire de Capinghem. Merci beaucoup. Alors, il y a 5 ans, on avait la même cérémonie. Bobby me faisait remarquer, on ne vous voit pas beaucoup, monsieur le maire, il ne m'a pas beaucoup vu en 5 ans, mais c'est simplement parce que j'ai, et ce n'est pas de sa faute, loin de là, un petit problème de compatibilité intestinale, si j'ose dire, avec la cuisine un peu épicée. Donc c'est pas... Et il m'avait gentiment proposé il y a 5 ans, mais vous nous prévenez, monsieur le maire, et on vous fait un steak. Et
En fait, j'ai jamais osé. Donc, en tout cas, je suis très heureux encore une fois d'être ici ce soir. Et parce que, donc, il y a 5 ans, vous étiez arrivé depuis 2-3 ans. La 11e année. Donc, c'est faisait un peu plus. Donc, je me disais, bah, c'est bien parce qu'il y a. Alors, Capinghem, c'est une petite commune de 1600-1700 habitants, moins de 2 km². Et on a beaucoup de restaurants au kilomètre carré. Puisqu'on en a 5, il y en a un 6e qui a fermé il y a peu. Et donc, bon, voilà, j'étais content d'avoir dans la palette de restaurants de Capinghem un restaurant indien. Et là où je suis encore plus content, c'est que 5 ans après, vous êtes toujours là. Et ça témoigne de la qualité de ce que vous offrez à vos clients. Et la durée dans l'existence des restaurants, dans la fréquentation. Donc c'est le meilleur témoin et c'est toujours quelque chose qui est attractif pour la commune. Et donc, je vous en remercie beaucoup au nom de la commune de Capinghem. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes en vacances, un petit mot ? Oui. En fait, parce qu'aujourd'hui, normalement, s'il n'était pas en vacances, il y a des questions à l'Assemblée nationale. Mais là, c'est les vacances parlementaires. C'est les vacances pour une semaine. Alors, quelques mots très rapides. Vous aviez raison, monsieur, de dire que la raison pour laquelle on fréquente un restaurant, c'est un tout. Et c'est un tout qui flatte de tous les sens. Pas seulement le palais, mais un restaurant où on aime revenir, un restaurant qu'on estime être un restaurant de qualité, c'est un restaurant où on mange bien, et c'est aussi un restaurant où l'ambiance est conviviale, où l'ambiance est presque familiale, où on a le talent de recevoir, le talent d'être attentif à tous les détails. Vous avez parlé de la musique, vous avez parlé du décor. Et voyez-vous, ici on a un espace important, combien de mètres carrés? On a 180 places, alors mètres carrés. Bon, un espace important de 180 places, c'est un grand restaurant, et c'est un grand restaurant, un grand espace où on se sent néanmoins comme chez soi, parce que le décor, parce que l'accueil, parce que la gentillesse, et parce que, bien entendu, ce qu'on trouve dans l'assiette. Et donc, monsieur, je vous félicite pour ce que vous avez transmis à vos enfants. Bien entendu, cher ami, je te ou vous félicite pour cette fourchette d'or, et puis alors, le maire est content d'avoir un excellent restaurant dans sa commune. Félicitations. Et puis, je voulais vous dire surtout que, au-delà de tout, ça me paraît tellement mérité. Voilà. Merci. Alors, une surprise, mesdames et messieurs, il y en a une ce soir. On avait décidé de faire une surprise à papa, qui a reçu déjà une médaille d'or il y a 5 ans. Alors, on s'est dit, en commission d'admission il y a 3 mois de ça, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre, à titre exceptionnel, une deuxième médaille d'or pour tout le travail accompli et les 40 ans de carrière, parce que ça fait plus de 40 ans maintenant, d'un papa qui a inculqué à cette belle famille tchèque tout ce que nous pouvons aujourd'hui déguster, tout le talent aujourd'hui qu'elle propose à ses clients. Eh bien, on va vous attribuer cette belle médaille d'or une deuxième fois, et ça, comme la troisième fourchette, c'est pour l'instant unique pour la même famille. Cette médaille d'or, elle est là, on l'avait cachée, pour pas qu'il la voie, on l'avait cachée, voilà, elle est là, vous voyez. Et selon la formule consacrée, je suis très fier vraiment et même ému de vous remettre cette médaille. Et c'est même pas moi qui va vous la remettre. Symboliquement, ça va être votre fils Bobby qui va vous la mettre autour du cou. Au nom de la Fédération internationale du tourisme, après décision de commission d'admission qui a eu lieu il y a maintenant 3 mois, début décembre, je vous fais ce soir, pour la deuxième fois officiellement, médaille d'or de la gastronomie indienne et pakistanaise. Bravo, Chafik. Bravo, monsieur Chafik. C'est bon. Merci.
C'est le petit-fils qui va la remettre autour du cou. Regardez ce beau symbole. Ce passage. Bravo. Allez, un petit mot. Merci beaucoup d'être là. Et puis, merci beaucoup. Il y a de l'émotion dans cette soirée, non, mesdames, messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Et puis, on va continuer. Symboliquement, cette fourchette d'or, elle est derrière. On va la remettre à Mobine. Mais on peut la remettre, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. On va faire une belle photo à tout le monde, aussi bien les employés que la famille Cheikh en entier. On va le faire, il y a des diplômes derrière. Mais en attendant, mesdames, messieurs, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, c'est la phrase, hein, il faut que je la dise, je suis élu pour ça, vous vous rendez compte. Et en fonction des décisions de la commission d'admission que j'ai présidée il y a 3 mois, j'ai l'honneur ce soir, à titre très exceptionnel, de vous faire fourchette d'or pour la 3e fois, ici, à Quimpaguem. Bravo à vous. C'est pas fini, on va garder un peu de force là-dedans encore. Elle est belle cette fourchette d'or. Mais on a, bien sûr, papa il a un beau diplôme. Hein. Regarde papa avec la médaille d'or, ça c'est pour papa. Il le mérite, voilà. Oui. Ce diplôme-là, c'est pour le restaurant, mais symboliquement, mon ami, ça va être à toi de travailler. Maintenant, je te laisse la parole et après, on remettra les diplômes. D'accord? Allez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous remercie infiniment d'être là ce soir parmi nous. Beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions ce soir parce que, comme a dit M. Duluc, je ne le savais pas moi-même jusqu'à il y a encore une heure. C'est la 3e fourchette d'or et puis c'est jamais arrivé. Donc pour nous, c'est davantage un symbole de fierté et tout ça grâce à vous. Il y a jour pour jour 30 ans, j'en ai 45 aujourd'hui, il y a une trentaine d'années, j'ai annoncé à mon père que je voudrais arrêter les études. Il n'était pas très d'accord au début, mais je lui ai dit je ne serai pas avocat, médecin ou architecte ou d'autres beaux métiers. Donc il m'a écouté, il m'a fait confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, ma réussite, elle est là, parce que j'ai de superbes métiers. J'ai des avocats, des policiers, des médecins, des architectes, un pilote d'avion, des super métiers, des hommes politiques. C'est magnifique pour moi aujourd'hui. Je pense que mon père me reconnaîtra parmi vous tous. Voilà. Donc c'était un parcours très 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 difficile et c'est pas fini parce que c'est la restauration, comme a dit Monsieur Duluc, c'est un métier où il faut, voilà, pour moi, tous les matins lorsque j'arrive au restaurant, c'est une nouvelle inauguration. Le métier d'entrepreneur, c'est, voilà, c'est gérer des équipes et on a de la chance parce qu'on a des personnes qui sont avec nous depuis des années, qui travaillent avec nous très très dur. Le plus dur pour moi, c'est de tous les matins leur dire, voilà, la motivation, parce que c'est vrai que parfois, voilà, comme dans tous les métiers, mais on est fatigué. Et puis ils sont là, toujours avec moi, à mes côtés, on se motive comme on peut. Et l'autre autre chose que je voudrais souligner et qui est pour moi, je ne vais pas dire plus importante que la fourchette d'or, mais c'est en tout cas c'est la 3e génération pour la 3e fourchette d'or et partant de 3 frères. On est 3 frères, donc Monsieur Cheikh Chafik a 3 garçons.
On a commencé à trois frères après papa. Et aujourd'hui, on part pour la troisième génération pour vous régaler. Et ils ont un très grand devoir, c'est d'essayer de faire mieux que nous. Parce que ça, ça va être compliqué. La vraie mission, elle est là. La vraie mission, elle est là. Parce qu'on a travaillé très très dur pour arriver à vous réunir aujourd'hui. Et ça, ça va être difficile pour eux de continuer. Mais en tout cas, je suis fier parce que... C'est compliqué pour un jeune de 20 ans, moins de 25 ans, même je dirais une trentaine d'années, de lui enlever les 4 week-ends par exemple. Et là aujourd'hui ils sont là, les week-ends, la restauration, c'est vrai que malheureusement on ne peut pas toujours faire comme on veut. Et ils travaillent sans relâche et puis maintenant à eux de continuer à vous régaler. Bien sûr on est là, hein, on est avec eux, mais c'est... voilà, on va voir la suite. Merci infiniment en tout cas, merci. Il avait dit jamais 203. Et la troisième fourchette d'or, voilà, c'est pour moi jamais 203. Donc il avait raison. Alors après, il y a les grandes marques de voitures, c'est la 304, etc. Oui, c'est vrai. Rendez-vous dans 5 ans. Donc, je vous plaisante pour l'instant, on verra bien ce qui se passera dans 5 ans. Ben, j'espère. Là, par contre, c'est la nouvelle génération là, qui doit faire le travail. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons procéder pour applaudir notre ami hein, qui nous a fait un super avec un petit peu dans la fourchette. Merci. Chacun en a un. Merci à toute l'équipe de Zimbroyal pour ce diplôme. Et félicitations encore pour la fourchette d'or. Et félicitations Zé pour le travail que tu fais. Bravo. Et pour ce qui est, le prochain, c'est... Merci. On peut vous applaudir, Ali, bravo. C'est parti, c'est votre ami. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette fourchette d'or. Et merci d'être venu. Merci. On poursuit. Donc, cette distinction, c'est... Alors, quand j'ai commencé il y a 30 ans, bien sûr que mon père m'a fait confiance d'accepter que j'arrête les études et puis je rentre dans la vie active. Mais il y avait une personne pour me suivre 24 heures sur 24. J'avais à peine 14-15 ans lorsque je prenais le dernier bus qui me ramenait à minuit 45 près de chez moi. Et j'avais quelques minutes de marche et ma maman ne dormait pas avant que j'arrive chez moi. Je tape la porte et elle m'ouvrait tous les soirs avant que je ouvre mon premier restaurant. Et donc je tiens à remettre... le diplôme, on a tous nos meilleures mamans, hein, ça c'est sûr, mais à ma meilleure maman. On poursuit. Bravo maman. Merci. Mais... Alors, mon chef Arif, il est par là. Arif. Voilà, il y a TikTok. Et ici, il y a les toques. Voilà, tout simplement. On n'a pas le tic, on a la toque. Avec la chaise. C'est lui qui me régale avec les six mains. Monsieur Nazir, monsieur Nasser. Vous avez intérêt à les
puisque ça, c'est eux qui vont manger après. Il arrive à trouver le restaurant même le jour du repos. Voilà, voilà, tu te rends compte? Merci beaucoup, Nasser. Bravo. Alors, monsieur Marc. Marc aussi. Dans la cuisine. Un futur chef. Exactement. J'allais dire même un futur grand chef, parce qu'il est haut. Voilà. Alors, il vient de commencer chez nous il n'y a pas très longtemps, et je lui donne le, toujours l'exemple d'une personne exceptionnelle, Patrice Faye. Oui. Qui est mon époux, voilà, qui travaille sans relâche au Jadi-Jadi. Et il a commencé avec nous une aventure très jeune. Et, aujourd'hui, il a pris un peu d'âge aussi, mais bon. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ton exemple, c'est même pas moi. Il faut que je te présente Patrice pour une vraie motivation. Il le mérite. Je m'appelle Priscilla. Voilà, Priscilla. Priscilla, c'est pareil, elle nous a rejoint, ça fait maintenant... Alors, elle a commencé en tant qu'étudiante, et moi, j'arrive à faire arrêter les études à tous ceux qui rentrent chez moi. J'ai ce goût. Voilà. Donc, les études, celui qui rentre chez moi, il faut qu'il arrête l'école. Et Priscilla, elle m'a rejoint dans l'aventure aux Indes. Et elle régale les clients. Vraiment, ils sont super contents. Elle se donne au maximum. Des fois, je lui dis, t'es une pile parce que t'arrêtes pas. T'es toujours. Voilà. Mais. Et alors, Zen. On garde le meilleur pour la fin. Ouais, mon fils. Moi, je connais tout petit, j'ai connu adolescent, maintenant c'est un beau jeune homme adulte, il a même de la barbe à l'époque, il n'en avait pas. Et c'est son anniversaire ce soir. Et en plus, c'est son anniversaire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tu as une très grande responsabilité. Je dis ça depuis une trentaine d'années, enfin pas que moi, hein, moi, mes frères, Patrice le sait, il le sait aussi. On s'est dit, le jour où on doit mettre de l'eau dans notre vin, on quitte le métier proprement. On ne trichera pas. C'est ce que je lui ai dit, la première leçon, c'est que le jour où tu as une mauvaise pensée, tu me dis, tu quittes le métier. Et je pense que notre grand leader, entrepreneur, monsieur Unique, qui confirmera ce que je dis, c'est un métier extrêmement difficile, mais si on aime faire ce qu'on fait comme les autres métiers, mais tous les jours, sans relâche, on y arrive. Et surtout, la plus grande responsabilité que je prends à cœur, je peux pas dire... Peut-être que Monsieur Madou, mon comptable, saura dire exactement combien de personnes on a pris dans notre équipe depuis que Ozan existe, mais en tout cas, 90% des personnes qui sont sorties de chez nous, que ce soit des étudiants, que ce soit des gens du travail, ils ont voulu entreprendre. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont fait un... On ne peut pas dire que c'est un échec, ils ont essayé. Et puis ils se relèveront, s'ils ont le courage, ils réessayeront. Mais en tout cas, nous, on est venus leur apporter l'amour du métier et le pouvoir entreprendre. Je dis toujours à mes collègues de travail qui travaillent avec nous, qui veulent, si demain, faire de la restauration ou faire du commerce, ne me quittez pas pour 50 euros de plus. Restez avec moi. Et le jour où vous me quittez, devenez mon concurrent. C'est mieux.
Alors maintenant, eh bien, nous allons faire une belle photo sous vos applaudissements. Merci.